Il y a un coffre à aller récupérer. Salut Goku, bienvenue. Je vois rien. Coffre, 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 coffre. Donc Baldur est devenu invincible. Enfin, invincible, insensible à la douleur et il peut pas mourir. Enfin, oui, oui, au final, il est invincible. À cause de sa mère. Il était peut-être malade, un truc comme ça, et sa mère, Freya, elle lui a fait ça. Mais bon, du coup, il ressent plus de douleur, plus rien, quoi. Et ça l'a rendu un peu fou. Allez, c'est l'heure de jouer. J'avais peur qu'il me tape pendant les animations. J'aurais beaucoup à faire une fois que je t'aurais tué. Qui c'était ? Nous devons faire vite. Attends, on vient de là ? Non, c'est pour remonter, ok, ça marche. On va d'abord faire ça. Je pense qu'on va commencer à voir le passé de Kratos. Peut-être avec Zeus et tout. Alors, à la recherche des glyphes. Pas un truc derrière, genre. Ah si, il y en a un. Ah, oh, j'en étais sûr. On voit les effets lumineux, là. Comment... J'avais complètement oublié ma hache, au passage. Je sais pas si j'ai d'autres, là. Hey. C'est bien... C'est bien, ouais, c'est bien Zeus qu'on a entendu. J'étais pas sûr. Ok, faut tirer. Là, bon. Oh putain de merde. Il y a un trou derrière. Stop. Ah si si, il y a un emplacement. Ah mais attends, stop, arrête. Comment tu veux que je fasse ça? Voilà, c'est pas dur.
Alors... Si j'étais une pierre, où est-ce que je me cacherais ? Derrière. Non. Ah, trouvé. Très très dur. Ah, ça fait longtemps. Bon. C'était pas vraiment énorme l'augmentation. Pas des corbeaux, ça fait longtemps qu'on n'a pas tué de corbeaux. Corbeaux d'Odin. Je ne suis pas certain qu'il puisse naviguer. Il faudra. Là, là. J'ai besoin d'espace. Je sais pas s'il fallait le faire, mais on l'a fait. Je vais t'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Tu en as assez fait. Alors, ça, ça, ça. Derrière un corbeau sur les tours. Bon, après c'est pas très grave si on en loupe, hein. Je reviendrai pour les faire, mais c'est juste que voilà, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu. Il est en train de se réchauffer, le gamin. Mécanisme sur la droite. Où ça? Je suis aveugle ou je suis aveugle? Ah! La roue! La roue, la roue, la roue. On avance! Parfait! Mais n'oubliez pas, ce bateau ne peut que nous rapprocher. Le temple de Tyr est au sommet d'une immense chute d'eau et, hélas, nous sommes en bas. Même si nous y arrivons entiers, il nous faudra encore remonter la cascade. Les Vannes ont construit le plus grand navire qui soit, et ils volent. Kisblasnir. Oui, parce qu'il était conçu pour. Pas celui-ci. Peu importe. Nous n'avons que ce bateau. Nous ferons avec. Sur ce qui doit être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu. Au moins le feu nous réchauffe. Et maintenant? Eh ben on va pousser. Qu'est-ce que je te dise, gamin? Là, va refaire tomber ça, un truc comme ça.
Laisse ton père réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Je veux pas que j'en... Je suis stressé. J'ai l'impression de louper plein de trucs là. Comment on fait? On est bloqué, faut pousser, faut tirer. Ah là peut-être. Voilà. Bon, le chat. Ah. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Maintenant les voiles sont libres. Regarde. Quoi? Ok, je sais pas ce qu'il veut faire. Là je comprends pas ce qu'il veut faire en fait. C'est pour se décrocher. Ah, carrément. On flotte. La chaleur des flammes, elle nous fait flotter. Alors j'aurais quelques... Et nous revoilà pensés. Pas pour longtemps, reste sur le bateau. C'est incroyable, t'as fait une grande lanterne volante. J'aurais quand même quelques doutes sur la logique et la science de ce qui vient de se passer. Mais pourquoi pas. Là j'avoue que pour une fois ça fait bizarre là. 25% les dégâts de brûlure infligés. Ah c'est pas mal ça. Parce que la plupart du temps, les puzzles dans le thème de God of War, ça va, je les comprends, c'est très logique et tout, ça marche bien. Là, je pensais vraiment pas qu'il allait faire ça. En fait. Alors, mécanisme. Il y a quoi de ce côté? Ok, c'est d'où on vient, ça marche. Alors. On est coincé sur ce pont. Je peux faire quelque chose. Voilà. Je t'ai dit de rester sur le bateau. Rester sur le bateau. On monte tout en haut. Tu vas faire putain. Ah putain, il y a un truc là. Chier, j'avais pas vu. Merde. Il y a une roue. Ah, il y a un coffre aussi. Là, c'est chiant tout ça. Un truc, j'y aille. Bon, plus vite. Ah, je sais. On fait d'abord le coffre. Ah, mais je veux pas pouvoir le jeu. Si, ça marche. Ah mais ça a pas besoin de le geler. Je pensais qu'on avait besoin mais non. Tu peux pas descendre ? Non. Où est-ce que tu vas ? Le bateau est coincé par le pont de ce côté.
Non, bon. Attends-moi là. Atreus. Je peux t'aider? Ensemble. Ouh. On a réussi. Vache. On va réussir à sortir d'ici. Affronte-moi, père. Il est temps d'en finir. Oui. Ah, ça c'est Kratos. Il est temps. Ça c'est Zeus. C'est encore cette voix. Est-ce que tu sais qui c'est? Je ne sais pas. Oh, t'imagines, on va combattre Zeus, peut-être? Iceberg, à bas bord! Accroche-toi! Oh, la vache. Sors tes armes, sors tes armes. J'ai perdu son... ce qu'il avait... ce qu'il m'a fait... il attendait, ce qu'il était... Bref, il y a un objet, je l'ai perdu. C'est simple quand même. Avec ça. Qu'est-ce qui se passe? On se fait aborder. Oh là là. Je nous détache. Les trucs, non, faut d'abord tuer. Mais pas deux. Ça aussi c'est plus. Ted, combien de temps avant d'atteindre le temple? Oui, on va geler. Si on parvient à maintenir cette vitesse et que les flammes ne s'éteignent pas, on y sera en un rien de temps. Qu'est-ce qui se passe?
crotin. Très très fort. Là on est en vacances. Donc ne pas se reposer sur ses lauriers, évidemment. Faut faire attention au feu. Oh la vache, la portée de merde quoi. Ok. C'est le gosse qui s'en charge. Le feu est éteint. À tribord. Le feu est éteint. À bâbord. Oula. C'était beau. Tellement crevé. Non, je suis mort.
C'est pas grave, on a la pierre. Ou pas. Battletech plante en fin de mission. Oh. Ah merde. Non, faut tout recommencer, putain. Oh merde. Putain. En gros, tu peux plus y jouer quoi, je peux bloquer maintenant. Ouais. Plus de. Dévastatrice. Oh, combien de fois tu t'attaques, s'il te plaît? Gamin. Je crois que le bateau il est en train de se décomposer. Mais comment le feu reste allumé? Et si je te disais qu'il fallait agir? C'est l'âme. Le gosse il veut vraiment savoir d'où viennent les lames. Hein. Mais bon, si on lui explique, ça va partir en couille. J'aime bien les attaques runiques des lames du chaos pour le moment, elles sont plutôt cool. Une, ça fait des bons cercles. L'autre, ça fait des gros dégâts. Allez, ciao. S'est fait harponner. Frère, t'es dans la merde. C'est ça que je voulais faire. Pourquoi j'ai tendance en fait à maintenir le bouclier et après à taper et bah du coup ça fait l'attaque runique en fait.
s'est fait harponner. C'est bien parce que ça continue à lui faire des dégâts. S'il reste des dégâts. Mais on doit libérer le harpon. Derrière toi, frère. D'autres arrivent. Allez. C'était le harpon qu'il fallait enlever. Pas le bateau, pas l'avant du bateau. Il est temps, mon fils. Regarde tout ce que tu as fait. Ah, c'est Zeus, non. C'est la fin du 3, ça. Un sacré bordel quand même, Kratos, hein. faut le dire. C'était ça ton idée? Vous êtes tous les deux malades. Je l'aime bien, Mimir. Nous quittons ce royaume maintenant. Si seulement on n'avait pas détruit le chemin du retour. Je l'adore, Mimir. Oh non. Je viens d'en combattre une il n'y a pas très très longtemps. Putain. Allez, on va voir. Enfin, c'est peut-être pas une cachette en fait, c'est peut-être le chemin. Nous sommes chez Odin. Je reconnaîtrai son mauvais goût entre mille. Ah, demi-tour. Ah, c'est beaucoup mieux là. Je pense que c'est là qu'Odin conserve ses meilleures pistes sur Jotunheim. Ajoute un bonus à toutes les stats. Cool. Thank you.
Wow, 7 plus 7 surtout. On a quand même des runes super super élevées. Hein. Des trucs vraiment bien. Hein. Excusez-moi une seconde. Ok, tout va bien. On est chez Odin, ça va mal finir. Ça. En fait, on s'est crashé dans la porte. On est au-dessus. Le. L'endroit. Regarde, c'est le panneau manquant à propos de tir. Odin a dû le voler. Mais pourquoi? Il a toujours ses raisons. Je peux voir. Eh bien, c'est une surprise. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Je n'en ai aucune idée. Étonnant, hein? Tête. Là, voilà Tyr. Il voyage, j'ignore comment, peut-être par magie. Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre. Oui. Comment tu... Je ne connais que trop bien celui-là. Oh. Ses yeux, ce sont des joyaux, comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, s'il te plaît. Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Des plans secrets cachés par Tyr auxquels lui seul avait accès, ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et juste sous le nez d'Odin, je vous avais dit que je vous conduirais à Jotunheim. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix. Tu ne comprends donc pas? Odin n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé? Je suggère de demander à Anne. Le symbole sur la porte du temple, ce sont des runes assemblées. Paix, unité, espoir... Et d'autres choses encore. C'est l'œuvre de Tyr. C'est lui qui a fait cette porte. On retourne à Midgard. Atreus. Tout à l'heure, ce que tu as vu... Je n'ai rien vu. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un? Un vieillard? Quel vieillard? On peut y aller? Oui. Comme tu veux. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain? D'abord, on retourne à Midgard. Tête. Pourquoi?
Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya? Mais oui! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends, et pourtant, je le sais. Mais quand je pense à Baldur et Freya, je... Mimir? Oui, mon enfant? Freya. Qu'y a-t-il, mon frère? Tête, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment? Mais oui! C'est l'évidence même. Oh, je me demande bien depuis quand? Quand elle a eu ma tête entre les mains ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur? Ah. Mimir! Oui, mon enfant? Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur? Ah bon? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Oh. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Faudrait tester les lames du chaos sur Baldur. Tu peux la fabriquer? Est-ce que c'est une arme? Une armure? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour ainsi dire le meilleur? Non? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors Martel, damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum et superpose-les. Ok, gros malin. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça? J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là. Allez, au boulot. Mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une arme? Bah, pourquoi pas. Quoi? Moi aussi, je peux changer. Protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température. Chaud devant. Tu vas renforcer cet acier encore longtemps? J'ai pas besoin de ça. Je vais tremper 3 fois dans l'huile de drogueur. Oh. Tu vois? Très astucieux. Et hygiénique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tu l'as dit. Fini. Ça va. C'est rapide. Et voilà. Oh, n'oublie pas ça. Arrête de sourire bêtement, ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte de reforger une chose cassée. Je le savais, vous vous adorez. Oh, arrête ton cirque, sale mioche, tu vas me faire pleurer. J'aime encore plus la nouvelle. Pas vous? Nous n'avons pas que ça à faire. On a les deux réunis. Mon frère et moi, on a un nouveau projet. Maintenant qu'on s'est rabiboché. Ah. Qu'est-ce que vous voulez? Avec la pierre à aiguiser et le marteau que vous nous avez apporté, Brock et moi pouvons recréer Devegrafikur, l'armure légendaire des nains. Il nous faut encore 3 matériaux mythiques avant de pouvoir la forger. Lesquels? Aucune idée. C'est une légende, et les détails sont plus flous que ma vue quand je sors de la taverne. Vous voulez qu'on trouve des matériaux d'une légende? Motsognir, le roi nain, en a trouvé 2. Tout le monde sait ça. Et quand il s'est mis en quête du 3e... Pouf! Il a disparu. Vous trouverez peut-être des indices dans sa forteresse de Konunsgard. Et regardez ça! Une pierre de passage pour Konunsgard. Et ton nom est gravé dessus. Bizarre, ça. Nouvelle quête. La forteresse est au nord-ouest d'ici, derrière la tour du royaume de Svartalfheim. Grande structure en pierre, atmosphère sinistre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Nouvelle quête secondaire, ça on va le faire, ça c'est cool ça.
Non, c'est pas elle aim. Oh putain, merde. Vaincre les autres Valkyries. Aller au conseil. Ah, on va d'abord aller au conseil, je crois. Et après, on va aller à la forteresse. D'abord, conseil. Les frères Uldre reprennent du service. Uldre. Oh, j'ai hâte de commencer. Amélioration, lame du chaos.